canadien et j'ai pris des cours de, d'accent. Enfin, je vais te le faire, mettons. Tiens, c'est toi. Bonsoir. C'est Guy Alpage, c'est lui qui fait... Tout le monde en parle, ouais. Au Québec. Ah oui, il vient. Il vient. D'accord. Il est bien sympathique. C'est vrai. Hein, il est charmant. C'est vraiment un type très charmant. Je l'aime beaucoup. Je l'ai connu quand je suis allé là-bas. Est-ce que tu te souviens de la couleur? Je vais ouvrir. Ouais. Alors dis bien, dis bien. Quatrième. Tu vois, ça, c'est un truc, il faut savoir le faire. Je vais aller voir si je le fais bien. Allô? Oui, Sylvie Léonard et Guy Lepage. Quatrième. Merci. Non! Quatrième! Ah. C'est terrible, hein, quand même, cette tradition qui se perd. Quatrième! C'est quand même pas difficile. Comment il disait? Oh, ma chambre. Quatrième! 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 Évidemment, c'est pas quatrième, mais quatrième! D'accord. Ça, Gilles, il a marqué le rôle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À droite. T'es déjà venu, tu me l'as pas dit? Non, je suis jamais venu. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous débarrasser. Bonsoir. Bonsoir. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir. Et tu es où? Guilla. Comment vas-tu? Guilla. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Allez-y. Ça va bien? Ça va super bien. Super bien, je suis de bonne humeur, tout va bien. J'ai retrouvé du boulot. Comment ça va ton émission? Ça va bien l'émission, ça marche très bien. Ouais, sur Canal, on a fait 1 100 000 là. C'est bon? Bah, cette heure-là, sur cette chaîne-là, c'est bien. Ils sont très contents, moi aussi. D'ailleurs. C'est très marrant. Ça me change un peu. Ça me dédruckerise. Je me suis druckerisé pendant quelques années et là, je me dédruckerise. C'était le problème de Thierry, il était trop gentil. Ouais, non, j'étais devenu gentil. Hein. Quand j'ai fait l'émission de Guy Lepage au Québec, j'ai trouvé finalement que c'était beaucoup plus agressif que tout le monde en parle à Paris. Ouais, vrai? Parce que, bien sûr, ouais? Parce que j'étais devenu cool. Alors que là, je suis dans la satire. Donc, si tu veux, je peux de nouveau être incisif, un peu acide, tu vois. Non, mais j'ai trouvé ça très bien, là, ton émission, quand je l'ai faite. Les baffies n'étaient pas du tout contents, en revanche. Alors au Québec, ça y est, maintenant c'est l'inverse. Avant, c'est moi qui avais une mauvaise image. Et ma fille qui avait une bonne image. Et depuis notre voyage, moi, les gens disent finalement, il est pas si antipathique que ça. Ouais. Et Laurent, il s'est. Mais c'est dommage. Il a boudé. C'est-à-dire, comme il n'est pas passé en même temps que moi, et qu'après, il a attendu un peu en coulisses, il s'est vexé. Hein. Oui, il était vexé, mais c'est dommage. Parce que. Ouais, c'est dommage. Parce que c'est un non-événement chez nous. Les gens ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas vu. Ouais, puis ce gars-là, il est super rigolo. Il a un sens de l'humour génial. Goûte ça. Alors, tu mets tout dans la bouche, ça explose dans la bouche, mais tu ne croques pas, parce que sinon, tu vas t'en mettre partout. À toi, Guy. Non, mais on peut. C'est une bonne idée, c'est une bonne coutume à lancer. C'est trinquer avec un chromeski. Hein? Donc, j'ai appris le québécois pour vous. C'est-à-dire? Tout le monde en parle. Oui. Ben, c'est bien. Comment ça va? Ben, c'est mieux que Baffy. Parce que son imitation de québécois est pas juste. Non, mais c'est vrai, il y a des gens. Il est remonté contre Baffy. Non, pas du tout. Et toi, tu faisais un gars et une fille alors avec lui? Ben, c'est lui qui faisait un gars et une fille avec toi, oui, d'accord. Ouais. Et ça fait 10 ans, là ce mois-ci, ouais. Ça fait 10 ans qu'on a commencé. On a tourné notre premier jour le 10 février, il y a 10 ans. Il y a un truc que je trouve extraordinaire dans l'histoire de Guy, c'est que, en fait, cette idée qui est vendue dans 20 pays, qui a un succès extraordinaire, en France, ils le repassent en boucle sur France 2, tu dois te prendre un pognon, parce que comme ils n'ont rien trouvé d'autre depuis, ils le repassent sans arrêt. Si tu veux. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est né d'un échec. Cette émission ne marche pas, les petits modules que tu faisais dans Besoin d'amour, c'est ça qui est devenu un gars et une fille. Puis aujourd'hui, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable. On est j'ai couché ensemble. Non, mais... Finalement, après toutes ces années, on s'est dit là, c'est comme c'est comme si Jean Dujardin a couché avec Alexandra Lamy. Quoi. Exactement la même chose, ce serait impensable. Impensable. C'est qu'il y a Geneviève de Fontenay qui va arriver là. Tu vois qui c'est Geneviève de Fontenay? Elle est venue au Québec, Geneviève? Non. Elle n'est pas venue au Québec? Je pense pas, non. Ça, c'est la dame avec le grand chapeau? C'est la dame avec le grand chapeau, oui. Mais je l'ai vue sur ton plateau. Sans arrêt. Je crois que c'est la... Elle me reçoit, oui. Je la reçois tout le temps. Elle me fait rire, ouais.
Bon, allez. Bien feu. Non, c'était là. Ah, c'est celui-là. Oh ben, mais c'est trop parfait. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. C'est Geneviève et Miss France. Quatrième. Voilà. Ah, c'est pas bon, hein. Faut pas être comme Carlos pour monter là, hein. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, et moi? Oh, mais il fait bon ici. Ouais. Je me débarrasse. Vous commencez. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous prends quelque chose? Ah, bah, moi, c'est moi. Je reste. Alors, allez-y, ça, c'est par là. En cuisine. Ah, bah, oui, c'est vrai, si je connais la cuisine. Je ne crois pas, elle est venue avec son écharpe. Alors, elle est pas belle, la mèche, oh j'enlève. Là, 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 ouais. Après, ah, écoute, dis-lui bon, elle est mieux. Non, je veux dire, elle est mieux que ce que je croyais. Maintenant, je la crois. Oh, non, mais, écoute, franchement. Non, c'est vrai. Mais je l'avais vue qu'en photo, je ne la connaissais pas. Oui, bah. Maintenant, je alors, avant de causer, tu dois regarder avant de dire. Ma chérie, là, toi, ton corps. Elle est chaude, la Geneviève. Ça va? Pas très bien. Alors tu me l'as amené, non? Parce que l'autre jour j'ai dit elle connaît Platon, la nouvelle Miss France, mais elle est pas terrible. Oui, oui. Ah, c'est gentil. Oui, j'ai pas voulu vous le dire parce que j'ai dit sinon elle va pas vous dire. Hein. Je te vais dire la vérité. Je, maintenant que je te vois, je change d'avis. Bon. Mais réellement, sincèrement. Ouais, je préfère que ce soit ça que le contraire. Ah ouais, ouais. Je trouve au contraire que tu es. Moi, je suis je suis j'aime les brunes un peu piquantes, un peu. Tu vois. Bah, d'origine italienne. Non, moi aussi, je suis de Nice, moi. Donc si tu veux, tu vois. Et pourquoi Platon? Non, parce qu'en fait, j'étais en hippocagne, donc c'est littérature. Attends, elle a la tête bien pleine. Elle te parle de la caverne, elle connaît Jean-Paul Sartre très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas une Miss. Non, mais c'est pas. Excuse-moi, c'est pas celle de l'année dernière, hein, Geneviève. Hein. Oh, mais elle est très bien. Alexandre, je plaisante. Elle est mignonne. Elle est charmante, contente, toujours contente. Bonjour, je suis Miss France. Alors, Geneviève, je suis heureux de te présenter, ben et oui. À toi aussi, Guy A. Lepage, oui. Qui a fait avec Mademoiselle, c'est eux qui ont inventé un gars et une fille au Québec. Ah. C'est eux qui l'ont inventé, qui a été vendu dans 20 pays, dans tous les pays du monde, pour ainsi dire. Et, parce qu'il y a seulement 20 pays dans le monde. Lui, c'est une star, il a fait au Canada, enfin au Québec, tout le monde en parle. La même émission que je faisais avant. Qu'est-ce que vous avez pensé, ce qu'a dit Ségolène Royal? Sur la souveraineté du Québec? Oui. Ben, premièrement, elle a été mal interprétée. Ben, c'est ça. Parce que c'était vrai, c'était parce que, bien. Parce que ce que Ségolène a dit en parlant qu'elle reconnaissait la souveraineté des Québécois, c'était qu'elle reconnaissait la souveraineté du peuple québécois de décider de son qu'elle avenir. Qu'elle a toute la liberté pour choisir. De décider s'il reste dans le Canada ou s'il vient d'un pays. C'est vraiment des et salauds. Et ça a été, mal reçu. Ils interprètent tout. C'est normal. Mais vu de Montréal, je trouve que vous lui faites la vie dure à Ségolène. Elle se fait faire... Écoute, elle a un caractère formidable. Elle a une santé de fer. Alors, j'ai décidé un truc. Moi, je fais une semaine sur deux. Une semaine, je suis pour Sarkozy, la semaine d'après pour Ségolène. Il n'accepte pas tous ces machos qu'une femme puisse accéder aux plus hautes fonctions de l'État. C'est ça qui les rend malades. Alors ils sont là à traiter de tous les noms, mais elle se défend. Et quel âge tu as, mon petit? J'ai 18 ans. Je suis à l'école des fans, moi. 18 ans. 18 ans. Et j'ai fait l'école des fans. Tu l'as fait, l'école des fans? Oui. Avec Jacques Martin? Ah oui? En fait, je vais dire la vérité. La balade des gens heureux. Voilà. C'est comment la balade des gens heureux? La balade des gens heureux. Voilà, c'est ça. Je voudrais vous chanter la balade. Mais j'aime bien, c'est une très belle chanson. Alors Geneviève, ce soir, il y a un truc spécial pour toi. Qu'est-ce que tu as fait encore? Je ne sais pas des choses. Une énorme partouze. Non. Non, je déconne, Geneviève. Je déconne, Geneviève. Non, c'est pas une énorme partouze. Il y a un karaoké. Ah. Je veux que tu me chantes quelque chose au karaoké. C'est une idée que j'ai comme ça. Baisse un peu la bajoue, viens près de moi t'asseoir. Ça, c'était un grand succès du karaoké. Et elle est sympa. Mais elle est très bien. Elle est très bien. Et Geneviève, elle a un jus ou pas? Oui. Merde. Tu vas mettre des gonzesses qui ont des yeux. Tu as une femme charmante en plus. C'est ma femme, mais c'est pour savoir. Non, mais c'est juste pour m'enseigner. Qu'est-ce qu'il fait?
Je n'en sais rien. Il a une profession, non, non, je ne connais pas. Ah, votre copain, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Votre copain. Marc Santerre m'a dit que vous avez un copain. Non, non. Non, mais c'est terrible. Tout ça, va bien. Tu me casses le moral. Et tu en fais des fois au jambon et tout? Ben, on va en faire. Écoute, Chirac, il carrait bien le cul des vaches au sort de l'agriculture. Bon, on t'a expliqué ce que c'était quand même, hein? Mais bon, c'est. Tu goûtes de la rosette de Lyon, du saucisson. Mais écoute, c'est là qu'on trouve les meilleurs produits. Moi, j'adore aller là-bas. 20 kilos, j'adore. Ah, ben, vaut mieux faire envie de pitié que des casse-croûtes pour chat anorexique que les mannequins. Une Nice, elle prend combien sur une saison? Ça dépend des tempéraments. Les gonzesses, c'était... Non, celle qui a pris vraiment, c'est celle qui avait pris, c'était Corinne Comment. Ah ouais. Mais maintenant, elle est redevenue magnifique. Elle avait grossi. Ah oui. Des foires au jambon. Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à maintenant comme truc, là, comme foire? Oh, bah, elle fait pas mal de choses. J'ai fait le salon du meuble, le salon du mariage. Elle est allée aux Seychelles. Je suis partie aux Seychelles. Aux Seychelles, faire une séance photo. Qu'est-ce que t'as fait? Une séance photo. Super. La vie de Geneviève, c'est énorme. Elle passe, t'imagines, c'est un film. Toute l'année, finalement, elle accompagne des mises dans des endroits sympas où ils boivent des coups, ils disent des conneries. Et chaque année, on lui change la mise. Bah oui, et elle continue. Comme je dis, moi, les mises passent et je ne suis pas encore très passée. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé de bon? Parce que on est difficile. Alors, à la fin, je n'ai pas pour rigoler. Là. C'est bon. Chromeski de foie gras. Donc ça, déjà, oui, ça va. Ça, tu peux en prendre. Oui, ça, ça va, ça va. Ça, c'est buffet campagnard gratuit. C'est... tu peux en prendre. Il n'y a pas de limite. Ça et ça bon. Se mange sans fin. Ça se mange sans fin, absolument. Volaille de Bresse et foie gras. Ah, très bien. Parfait. Ça me rappelle d'ailleurs une Miss France qui était Miss Bresse-Buget. Oh, putain, Miss Bresse. En 88, la poularde. Et le Parisien qui dit « Enfin une poulette de Bresse ouais. ». Geneviève, quand tu la connais un peu, elle te raconte après laquelle était la plus sexy, la plus salade. Voulu, elle a voulu m'attaquer arme, quand j'avais dit qu'elle était nymphomane. C'est vrai? Ah ouais, l'autre, les initiales sont MR. Oui. Nymphomane, hein. Ah oui, c'était fou. Non, mais c'était même, hein, Geneviève, insatiable. Bah oui, mais c'était... non, mais c'est vrai, dans les... Geneviève, au début, elle s'en était pas aperçue. Non, c'est vrai, j'ai su après, parce que c'était les mecs qui l'ont raconté. Ils m'ont dit, bah, vous savez, votre Miss, là. Ah, c'est tout ce qui bouge. Mais tout ce qui bouge, c'était sans... Ouais. Sans choisir. Alors. Mais c'est bien. Il n'y en a pas d'hommes comme ça. Miss France. Non, il n'y a pas d'hommes comme ça, malheureusement. D'ailleurs, pas tu vois ce qu'il est devenu. Alors, volaille de Bresse et foie gras, j'aime bien. Très bien. Très bien. Ensuite, variation d'une saule meunière. Ah, oh, mais ça fait beaucoup, dis donc. C'est on va avoir des fesses comme l'Arc de Triomphe. Et alors, à la fin, un petit macaron, macaron et mandarine. Oh, très bien. Voilà, ah, c'est où? Non, non, c'est pas où. Il n'y a pas de où ici. Non, oh non, tout est. Voilà. Je vous laisserai une brochure. Oui. Je la dédicacerai. T'as vu, je te l'avais dédicacée, tu l'as eu. T'as vu qu'il y a des choses intéressantes dedans. C'est Xavier qui a fait cette brochure. Surtout le numéro de téléphone d'Emmy, ça, je trouve que c'est. Ah non, c'est comme ça qu'elle fonctionne, Geneviève, en fait. Ah, ouais. C'est qu'elle elle vend les portables d'Emmy. C'est pas une erreur. Oui, allô? Ah, oui, Christophe Ondelat et Véronique Genèse. Du quatrième. Merci. Pourquoi tu te lèves tôt? Je vais RTL tous les matins, 7h-9h30. 7h-9h30, tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Voilà, tous les matins, je me lève à 4h toute la vie. C'est vrai. Et ouais, c'est dur. T'as des mômes? Oh oui, mais j'ai un grand-fils. Ah ouais, donc maintenant tu sais même. Ça va, oui, je peux me permettre de vivre cette vie décalée. Alors je fais des extras. Mais... Bonsoir. Bonsoir. Je m'enlève mon manteau. Bah oui, je vais vous le prendre. Votre doudoune. Bonsoir. Côté. Je ferme mon téléphone, j'ai un enfant malade. Ah. Bah oui. Voilà. Un enfant grippé. Venez vous attendre. Un enfant grippé. C'est là-bas? Allez-y, oui, vous attendez. Vous entendez du bruit? Voilà, c'est apéritif. Ah, bonsoir Véronique. Bonsoir, ça va. Mais écoute, super. Bonsoir. C'est un super morceau. Bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir, ravi, enchanté. Vos amis québécois, donc. Bonsoir. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. Bonjour, Madame de Fontenay, qui ne se présente plus, évidemment. Ah, mais il y a Miss France. Ah, bah, non. Voilà. Mais là, tombé l'écharpe, donc vous avez eu l'autorisation. Bonjour. Salut, bonjour. Ça fait Machon, tu installes tout le monde. Bonsoir Rachel. Je suis désolé, c'est le premier jour de Machon alors. Je partirai un peu tôt, Thierry, tu me pardonneras. Ouais, je vais me coucher un peu. Ouais, bien sûr, ouais. Je me lève à 4h tous les matins, tu sais.
C'est terrible. Bravo. En général, les animateurs, dans ces cas-là, s'accrochent à la cocaïne, si tu veux. Genre. Oui, bah, je connais plein qui ont fait des mornings et qui sont accrochés à la cocaïne. Figure-toi que je me faisais la réflexion tout à l'heure. Ouais. Si t'enchaînes des trucs comme ça, à un moment donné, t'as besoin d'énergie, quoi. Ouais. Ouais. Pas moi, c'est pas du tout mon genre. Mais qu'est-ce que tu prends, alors, toi, pour tenir le coup? Rien, je me couche tôt. Moi, j'ai jamais pris un gramme de quoi que ce soit dans ma vie. 22h30, lumière éteinte. Tu te couches à 22h30. Ouais, ouais. Mais ça marche à mort, là, sur RTL, non? Ça marche, ouais, ça marche à mort, oui. Ah oui, oui, j'ai vu, c'est bien. Hein. C'est-à-dire qu'on est, leader, on est redevenu leader tous les quarts d'heure de 7h à 9h30. Et puis, non seulement on est leader, mais on a gagné même sur les endroits où on était leader. Donc, on a fait un coup, c'est-à-dire, c'est rarissime. Hein. En radio, tu sais, on dit toujours qu'il faut 4-5 ans pour installer une émission. On l'a installé en 3 mois. Et on a commencé à monter dès le début, et puis bon, a priori, ça s'arrête pas, quoi. Donc, bon, c'est fédérateur, c'est très motivant. Puis tu t'évites comme ça toutes les réunions où tu te prends la tête à chercher pourquoi ça va pas à 7h25. Et à ce moment-là, tu commences à faire n'importe quoi si tu commences à faire. Il n'y a rien de mieux qu'une émission qui marche. Ouais. C'est ce qu'il a fait, lui. Il était présentateur du journal de midi, enfin de la mi-journée sur France 2, il est parti. Mais pourquoi vous êtes parti? Je suis parti parce que j'avais accepté de faire un portrait avec le journal Libération. On a passé 5 heures à table avec la journaliste qui a pris des notes. Et il y a un passage de ma vie dont je n'avais pas envie de parler, que je lui ai demandé de préserver, pour de bonnes raisons que je lui ai expliquées, qu'elle avait compris. Ouais. Et elle n'a pas pu s'empêcher de l'écrire quand même, sans l'écrire complètement, en l'écrivant à moitié. Donc en éveillant, enfin moi c'est comme ça que je m'appelle, quoi, une curiosité. Puis en levant un lièvre, quoi, et voilà, j'ai été furax de ça. J'ai lu le journal en arrivant au bureau à 8h le matin. À 8h15, j'ai balancé toute ma bibliothèque par terre. Et à 8h20, j'étais en ascenseur, je suis parti. Non, mais c'est vrai que vous avez pénalisé votre boulot. Et j'ai pénalisé mon boulot, ma carrière et tout ce qui va avec. Mais non, mais ce qui est incroyable, honnêtement, Christophe, c'est incroyable, c'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as gagné. C'est quand même rare. Parce qu'un mec, je vais te dire, il y a des mecs qui sont fait virer à la télé. Non, mais t'as un joker. Un mec, j'ai bouffé mon joker. Moi, j'ai bouffé mon joker en général. Bon, il y a quand même une méfiance maintenant. Hein, les gens qui m'emploient aujourd'hui, ils savent que je suis capable de le faire. L'idée, elle me traversait la tête depuis longtemps, à plein d'occasions, en disant je les emmerde, je me tire. Et elle continue de me traverser l'esprit. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai plus. Voilà. Tu peux pas le faire deux fois. Ouais. Si, je peux le faire deux fois, mais pas là maintenant. Tu connais la phrase de Pagnol sur l'honneur. Il y a c'est Rému qui dit ça dans la trilogie. Il dit son fils, il dit tu sais fils. L'honneur, c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois. Mais je trouve que je l'ai pas payé. C'est tant mieux, tu l'as pas payé. Ouais. Je suis d'abord resté sur la chaîne. Hein. Ouais, ouais. Bah oui. De toute façon, c'est une discussion qu'on a eue depuis même avec Arlette Chabot, elle est d'accord avec moi. Il y a eu un petit déficit d'autorité à ce moment-là. De fait, il aurait fallu que je sois viré de la chaîne. Bah oui. Et la chaîne ne m'a pas viré. Voilà, bah, quelque part, maintenant, peut-être je pense qu'elle aurait intérêt à garder aussi. Mais l'article de journal, est-ce que c'était un prétexte? Alors, pour fuir? J'ai attaqué devant la justice. Non, c'est pas un prétexte. Non, j'ai attaqué devant la justice, j'ai perdu en première instance, j'ai fait appel, j'ai perdu en appel. Je m'interroge sur la cassation. Christophe, sérieusement, ce qui est quand même bizarre, si tu réfléchis, c'est là où ta décision est assez quand même irrationnelle, c'est que tu fais payer à France 2 ce que tu considérais comme une agression de la part de Libération. Et quand tu as un coup de tête, tu sais pas à qui tu fais payer quoi. C'est un truc de la seconde. Donc à ce moment-là, tu n'as pas de balance, tu sous-pèses rien, t'es pas responsable. Très agressif, alors. Voilà, je me suis senti piégé. Et puis tu sais, à un moment, tu dis. De toute façon, je pense que ce métier, du moment où on le pratique, il nous rend mal à l'aise du début à la fin. Ouais. T'as raison. Donc on le fait en ayant plein de prévention à son égard. Et au fond, quelque part, on cherche les occasions de prendre la porte de sortie. Et on se sentirait mieux, on se sentirait plus propre face à sa glace. Je me sentais une capacité de rebond avec l'envie de faire autre chose. Ouais. Aussi, j'ai cherché un peu, puis j'ai pas eu beaucoup de courage, parce qu'en fait, j'ai découvert maintenant, a posteriori, moi j'aurais voulu être avocat, et c'est 6 mois en fait, où je suis resté sans travailler. Je les aurais mis à profit pour passer ma thèse de doctorat. Mais tu aurais été content d'être avocat? Je serais avocat aujourd'hui. Moi, ça je serais jamais revenu dans le métier. Ça lui irait bien. Ou alors tu aurais eu vraiment le choix. Ou j'aurais eu le choix. Ou j'aurais fait alternativement l'un l'autre. T'es intéressé par la justice. Ouais, parce que les émissions que tu fais là, le dimanche soir sur France 2, ça prouve un réel intérêt pour la justice. Oui, non. Pourquoi tu te manges une année sabbatique pour le faire? Parce que je suis dans un système qui permet pas les. Oui, voilà, manque de courage. Parce que là, on n'est plus dans le coup de tête, là. On est dans la décision réfléchie de dire je mets à distance tout ça. Parce que tu pourrais très bien mettre à partie du temps libre tous les jours pour passer ta thèse. Ah ben, j'en ai pas. Du en temps pas, libre, en genre. Pas, tu ne peux pas en avoir. Tu as fait un bouquin là, sur ce Non, j'en ai là. Pas, ouais, voilà. Donc j'ai fait un bouquin. J'ai quand même tous les jours RTL, fait entrer l'accusé. Là, je travaille sur des fictions. T'écris des fictions? J'ai envie. Enfin, j'en ai écrit. J'ai écrit une série, bon, qui pour l'instant est dans les cartons. Voyons-nous. Et je travaille sur deux formats.
dont un qui est, là, ça me gêne pas de le dire, ça dit rien sur la série, mais je suis fasciné par Prison Break, mais fasciné par la mécanique de scénario. J'aurais voulu le faire. Et j'aimerais faire le Prison Break à la française, mais pas basé sur une prison. Ouais, hein. Ouais. J'ai une autre thématique, je le sens bien. Théâtre, je pense. Et allô? Oui, bonjour, c'est Jean-Luc et Thomas. Thomas et Jean-Luc, plutôt. Quatrième. Bonsoir messieurs. Ça va? Ça va. Bonsoir. Je te débarrasse. En entier. Hop là. Merci beaucoup. On vous attend en cuisine. Merci. Un petit apéritif. Merci. Tiens. Alors vous êtes content mon cher Thomas? Ah, c'est à table. Ah, il n'est pas si mal que ça notre Ségolène. C'est classe, hein. Ça fait quand même un petit peu code barre, quoi. Bah oui, c'est code barre. Bon, allez bien, ma jeune bien. Bon, oui, vrai, quand elle l'avait tout à l'heure, elle l'avait tout à l'heure, ça fait un peu code barre alors qu'elle est magnifique comme ça. Bah oui, mais c'est comme le général, quoi. Moi, je trouve ça pas. On le sait, ça y est, c'est des francs. Elle a plus besoin de le porter, ça y est, on le sait, on la photographie, on la connaît. Elle l'avait pour arriver, mais maintenant, pour le dîner. Ouais, c'est bien comme ça, c'est mieux. Bah bien sûr. Et puis toi, t'es tellement bien avec. Mais non, l'essentiel, c'est qu'il y a des charmes, voilà, c'est bien. Bon, ça va. Bon, j'aime bien. Oui. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur ta mise. Elle est extraordinaire. Ah non, mais elle est extraordinaire. Hein. Ouais, mais vraiment, elle est très bien. Très beau cul, en plus. Non, mais regarde, elle est belle. Oui, oui. Très, très bien gaulée. Hein. Oh, très, très beau cul, hein, franchement. Bon, comment ça va? La vie est très belle, je suis ravi d'être là. Tu as toujours ton histoire de crèche, là? Oui, j'ai vendu ma première boîte et j'ai racheté les parts d'une société concurrente de l'époque. Il a dit ce qu'il avait, il a monté une histoire de crèche. Oui, c'est très malin. En fait, j'ai inventé un truc qui s'appelle les crèches d'entreprise. C'est que j'installe là où il y a des grandes entreprises en France une structure qui permet d'accueillir les enfants, les collaborateurs, ce qui permet la mixité sociale et que les femmes aient. On fait ça sur les tournages, tu vois. Oui, oui. Dans les cinémas. Comme ça, les mamans qui viennent. Il manque vachement de ça. Moi, je vais faire une crèche Julie Lescaut à un moment. Mais attends, une crèche Julie Lescaut et les gamins vont être gardés par Mousse Diouf. Donc c'est. Ouais, c'est, ah oui, ça fait peur. Ça fait très peur. On voit Mousse Diouf. Ils sont carrément, en fait, ils l'adorent. Dis-moi, Véro, pourquoi il n'y a plus Mousse Diouf alors? Non, mais moi, j'adore Mousse. Alors, je vais te parler d'une façon très claire, comme je lui dis à lui. C'est ce qu'il a fait. Voilà quoi. Quand il est sorti de la ferme célébrité, il a critiqué Julie Lescaut. Non, je pense que c'est pas ça qui l'aurait fait virer. Oh non. Je pense qu'à un moment, lui, il a pensé qu'il était indispensable. Mmh. Donc, si tu veux, quand il a renégocié son contrat... Ben voilà. Il était gourmand. Il n'a pas accepté les propositions, il a été gourmand, alors que moi, j'essaie de lui faire comprendre. Tu sais, c'est quand même aussi une histoire, je veux dire, il y a un moment où, dans une série, t'as l'actrice, t'as les acteurs principaux aussi. Si tout le monde prend du pognon, au bout d'un moment... T'as l'acteur principal aussi, parce que Mousse avait un rôle important, t'as Renaud Mars, etc. Et à un moment, si les productions veulent continuer à gagner de l'argent, elles peuvent pas payer partout, tous azimuts, beaucoup de pognon. Donc ils font des choix. Et voilà, et donc ils ont fait le choix de sucrer Mousse, parce que je crois que Mousse a voulu être trop gourmand et a pensé que ça passerait. Non, je crois qu'il faut dire à Guy, Mousse est noir. On se frite. Je te trouve extrêmement drôle. Bah merci beaucoup. Oui, il est drôle, genre. Je te trouve beaucoup d'humour et de l'humour sympathique. C'est chroniques. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'émission que tu fréquentes. Oula. Je parle pas de Riquet, mais je parle de Mustapha, parce que moi, de toute façon, je dis des noms. Et je le trouve absolument antipathique. Ah oui. Ça, il est agaçant. Faut qu'il arrête, ce garçon, il est méchant. Il y a un côté faux, il est irritant. Moi, il n'a pas été méchant avec moi. Mais en même temps, c'est pas facile d'être méchant avec moi, parce que de toute façon, je me laisse pas faire. Et que je peux répondre. Mais d'être méchant avec des gens qui, de toute façon, ne savent pas se défendre, parce que Doc ne sait pas se défendre. Ah, mais c'est vrai que tu étais là avec Doc Gynéco, toi. Il ne sait pas se défendre, de toute façon. C'est un peu une erreur de ne pas savoir se défendre. Mais l'attaquer pour des conneries, j'ai trouvé ça d'une débilité. Enfin, moi, il n'y a qu'un truc. J'ai pas vu toute l'émission, j'ai vu un petit bout. Ce que j'aurais apprécié, c'est qu'on dise, voilà, Doc Gynéco a écrit un livre, voilà ce qu'il y a dedans, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement.
Maintenant, on en parle. C'était un monsieur lynchage. Voilà. Mais là, on a parlé de Doc Gynéco avant de savoir ce qu'il y avait dans le bouquin. Mais bien sûr, c'est Pollack qui en a parlé. Bah oui, non, non, personne, c'est les gens qui regardaient l'émission comme moi ne savaient pas ce qu'il y avait dans le bouquin. Honnêtement, ce qui était très particulier, c'est qu'on avait l'impression aussi que Doc Gynéco ne savait pas très bien ce qu'il y avait dans son livre. Non, moi, j'ai fait 10 émissions. Il est arrivé aussi avec son Walkman et tout. Arrête. J'ai fait 10 émissions avec Doc. J'ai toujours vu avec son Walkman, j'ai toujours vu ralenti et j'ai toujours vu comme il était. Alors, il y a un moment, si vous invitez Doc Gynéco, alors qu'avant vous l'encensiez parce qu'il était comme ça, pourquoi tout à coup, parce qu'il a écrit un bouquin qui ne plaît pas à certaines personnes, on a un autre comportement. C'est débile. Moi, sur mon plateau, j'ai eu droit à Raël. T'as eu Raël ? Oui. Et Raël s'est tiré. Pourquoi ? Oui. Raël, les Raéliens. C'est un mec qui était journaliste automobile à Clermont-Ferrand. Claude, je sais plus. Claude Vorillon. Et qui un jour a rencontré les extraterrestres. Oui, oui. Il s'est fait kidnapper. Et là, depuis, il a créé une secte qui marche vachement bien. Et Houellebecq, le dernier bouquin de Houellebecq, ouais, parle beaucoup de Raël dedans. C'est peut-être très inspiré de Raël. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que ce mec qui est habillé en blanc, qui est tout petit, qui a une barbe, qui est un peu moche, il a baisé avec 15 000 femmes ou... C'était vraiment une secte où il y avait des niveaux, il fallait atteindre des espèces de niveaux où tu te rapprochais. Tu vas faire partie de sa secte. C'est grave ça. Tu vas baiser avec lui. Oh, ah, on avait dit au début, général, vous pouvez recevoir Raël, mais vous êtes obligé de l'appeler votre éminence, votre... Votre sainteté. Votre sainteté, puis là j'ai dit, avec plaisir. Ouais. Alors à chaque fois que je posais une question, je disais, votre sainteté, vous, on va faire votre bio. En 1974, vous étiez journaliste sportif. En 1975, vous vous faites kidnapper par les extraterrestres pendant 2 ans. Vous rencontrez Jésus, il y avait tout ça. Mais vraiment comme c'est une bio normale. Comme si tu disais, pendant un an, tu as gagné le champ. Oui, tu as fait ça et tout ça. Jeu, vous revenez sur la Terre en 1976, vous fondez. Bien, ouais. On sait. Puis lui, il était... Et là, il était partagé parce qu'il se disait, est-ce qu'il se fout de ma gueule ou est-ce fait vraiment la vraie bio? Et là, il y a un caricaturiste dans un journal de Montréal qui s'appelle La Presse, qui est un des plus grands caricaturistes en Amérique, qui lui l'a pris en grippe. Ah ouais. Et lui, il a commencé à se foutre de sa gueule. Puis il lui a dit, c'est scandaleux ce que tu fais. Puis lui, il y a une espèce de toc avec les cheveux. Il a pris les cheveux comme ça. Oh. Et lui, il est parti. Et en partant, il y avait des gens dans la salle qui étaient avec lui. Des Raéliens dans sa suite, alors ils se sont tous levés, puis ils sont partis. Puis moi, je faisais jouer la chanson d'Alain Barrière. Tu t'en vas! Il y a une théorie aux États-Unis, et ils n'ont pas réussi à le prouver, que le clonage existe déjà. Le clonage humain. J'adore. Le clonage humain existe déjà. J'adore. Et les Raéliens ont été associés à ça, mais évidemment, ils sont en distance parce que c'est illégal. Il y a peut-être déjà des clones parmi eux. Non, je ne crois pas du tout. Non? Parce que techniquement, c'est beaucoup trop complexe pour être fait comme ça. Bah, je vois pas comment. Enfin, moi, ce que j'ai vu sur le clonage humain. En démol, ils vont te refaire. Est-ce que tu crois qu'en démol. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Imagine qu'on soit dans une civilisation de plaisir. On se fait cloner. Si le clone se fait masser, pendant que tu tournes, le clone se fait masser et tu ressens tout ce qu'il ressent. T'imagines, mais les scènes. Ils font la caisse dans les pitchs, là. Je vous arrête. Oui, oui, oui. Ah, je vous arrête. Elle cherche des pitchs. Ah, je vous arrête. Elle cherche des pitchs toute la journée. Continue. Toute la journée, elle cherche des pitchs. Continue. Je vous arrête, continue. J'aime beaucoup Geneviève, moi aussi, c'est marrant. Hein. Au début, quand j'ai vu arriver sur mon plateau, je pensais qu'elle venait de... Oh, bah, ce jour-là, tu t'es foutu de ma gueule, hein? The creature from outer space. Du monde réel, voilà. Tu sais, moi, comment j'ai... C'est la seule extraterrestre avec qui je suis réellement copain. Je suis allé l'interviewer chez elle. J'étais jeune reporter il y a une dizaine d'années. Ah ouais? Et quand on rentre chez elle, on réalise que c'est une femme très simple. Bah oui. Voilà. Parce que chez elle... L'autre jour, je faisais les carreaux, il y a une dame qui passait, elle dit, mais vous faites les carreaux, ben voilà. Je dis oui. T'as l'impression d'aller chez Tati quand tu vas chez Geneviève. Est-ce qu'elle t'a offert une boîte de thon? Parce que c'est que Geneviève, quand tu vas chez elle, c'est vrai. Ouais, c'est Geneviève, elle n'a aucun thon chez elle. Non. Ni aucun cajot, d'ailleurs. Non, en fait, c'est Sophie Talman qui avait dit, quand je vais dîner chez Geneviève de Fontenay, elle m'offre... Elle une boîte de thon pour une personne, non, mais vraiment. Et ton la catalane ou normale? Geneviève. Pourquoi? Moi, j'ai une tête à chapeau, j'adore les chapeaux. Hein. Sûrement. J'adore les chapeaux. Mais pourquoi toujours un chapeau? Mais parce que c'est mon image maintenant, les gens, ils comprennent même pas si j'en ai pas. Nous, vous n'avez pas envie de casser l'image? Macha Béranger l'a enlevé. Oui, j'ai vu ça. On a perdu son boulot aussi, t'as vu? Non, mais c'est magnifique. Moi, je risque pas de m'habiller autrement qu'en noir. Ma vie est bien remplie, en fait. TF1, là, depuis maintenant un mois, une émission qui est un peu plus que mensuelle, qui parle des people et de la société. Donc, cette émission, ça s'appelle Langue de VIP.
Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, mais de la société, c'est. Bah oui, par exemple, le prochain, c'est un truc qui. Thomas, je veux pas être méchant avec toi, parce que non, parce que t'es sympa, mais c'est schizo quand même. Toi et Castaldi d'ailleurs, vous êtes schizo. C'est-à-dire Castaldi numéro un, puisque lui il passe sa vie à se plaindre que la presse People lui veut du mal, mais il fait lui aussi une émission People, donc ça c'est grande maladie mentale. Et toi. Bon, alors c'est vrai que t'as pas choisi la famille dans laquelle t'es né, t'as pas choisi le fait que t'es le fils d'un ancien premier ministre, etc. J'aurais préféré être le fils de Strauss-Kahn. People, mais c'est ce qu'il y a de moins intéressant à faire à la télé. Mais alors, pour rebondir sur ton truc, dans la prochaine émission, qui passe dans 2 semaines, tu as des sujets qui sont un peu intéressants, même si on parle de People, par exemple. Les stars ont-elles des traitements de faveur face à la justice? Les gourous, les stars ont-elles des gourous? C'est des choses qui intéressent les gens. Qu'on fasse du people quand on est, quand on a commencé en ce métier, puis qu'on n'a pas d'autres émissions et qu'il faut qu'on croûte, bon, on finit par faire du people. Mais putain, toi, tu commences, commence par le pire. Non, mais je trouve sympathique de commencer. C'est naze le people. Mais tout le monde c'est une opportunité. Pouvoir commencer sur une chaîne comme celle-ci et sur une émission qui est vraiment regardée. On a fait des parts de marché quand même assez éloquentes les premières fois. Je me dis que c'est une bonne ronde de lancement et que si un jour j'ai l'occasion de développer un projet peut-être plus standard ou moins grand public. Mais t'es cramé en faisant ça. Je ne pense pas du tout. Bon, mon argumentaire, il est simple. Il est que ce type d'émission contribue à élargir la distance qu'il y a entre le public et les vedettes. Alors que beaucoup, alors après il y a deux sortes hein, de gens connus, il y a ceux qui effectivement pensent qu'ils sont au-dessus du lot, etc. Il y a tout un tas de gens qui n'aspirent qu'à avoir une vie normale. Normal, super normal. D'accord, mais comme Geneviève. Bah oui. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu peux pas être quelqu'un qui compte dans ce métier et avoir une vie normale. C'est un peu utopique. C'est antinomique. Et surtout, il y a un truc qui colle pas. Mais tu peux. Parce que les gens vont tout de suite forcément te mettre sur une sorte de pédestal. Et je ne sais pas s'il est bon de descendre trop vite de ce pédestal. Pour moi, il y a des stars. Donc voilà. Les stars, c'est Depardieu, Deneuve, Aznavour, ça. Ophélie Winter. Justement, non. Voilà. Parlons de stars. Il y a des gens populaires. Et puis après. Alors, pourquoi Loana, c'est une star, par exemple? Mais non. Mais alors, c'est ça le paradoxe. On dit que c'est pas une star, alors que cette même Loana, pendant un an, c'est la une des plus populaires. La star, c'est surtout la manière dont on l'aperçoit. Paris Hilton, qui est la plus grande star actuelle mondiale, qui gagne 400 millions de dollars par an, qui est simplement pour exister. Oui, qui est une conne finie. Qui vient d'ailleurs de parler entre les Guinness pour la plus grande inutilité. C'est la plus grande star. C'est une star absolue, planétaire, Paris Hilton. J'avais imaginé qu'un jour le fils de Laurent Fabius me dise que la plus grande star du monde, c'est Paris Hilton. Comment ne pas penser quand même que le petit-fils de Simone Signoret, qui a grandi sur les genoux d'Yves Montand, et le fils de Laurent Fabius, qui a grandi sur ses genoux. Qui a grandi sur les genoux de Laurent Fabius, mais qui a vu défiler à la maison, défiler à la maison le gratin d'une époque de gens engagés en politique. Vous ne trouvez rien de mieux, à l'âge que vous avez, de faire de la télé people. J'ai 25 ans. T'as voulu qu'il rentre en politique ? 25 ans. Tu me dis, je me crame rien du tout. T'as 25 ans. J'aurais voulu que tu sois reporter envoyé spécial à 25 ans. Mais, ça, c'était. Mais quand tu dis, tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est une opportunité sympathique de faire un truc qui te permet de découvrir peut-être des choses futiles, mais c'est peut-être aussi ce dont j'avais besoin, un peu de futilité. Peut-être que, tu sais, j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté mes études à 17 ans, j'ai commencé à la plonge dans le groupe Accor, après j'étais au room service, après j'ai été femme de chambre, après j'étais directeur d'hôtel, après j'ai monté ma... Femme de chambre, c'est magnifique. Il a dirigé un hôtel... J'ai dirigé un hôtel de 600 chambres à 20 ans. Le fils de Fabius a dirigé un hôtel à Bagnolier. De 600 chambres à 20 ans. Ensuite, j'ai monté ma première boîte à 21 ans, j'ai eu jusqu'à 500 employés. Donc, bien en fait, tu voulais pas faire d'études, mais tu voulais bien être quand même un mec... Mais j'ai une impression de gâchis, voilà. Non, mais gâchis, on se gâche quand on fait pas ce qui nous donne du plaisir et de la satisfaction. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et tant que j'en aurai, je la ferai. Quand j'en aurai plus, je viendrai te voir en disant « Est-ce que t'as une place de pigiste dans tes émissions ?» Et là, tu me diras « Bah, tiens, foutre. » Tu vas absolument mettre en opposition le fait que je fasse de la télé People et le fait que j'ai un père qui était premier ministre. C'est pas antinomie, c'est comme les gens qui disent « Oui, alors, vous êtes de gauche et vous êtes riche. » Non, c'est... Et qu'est-ce qu'il en pense, ton père? Ah, ça reste un problème, hein. Mais non, c'est pas du tout. Ah, si, ça reste un problème. Non. Bien sûr que ça reste un problème. Il en pense quoi, ton père? Il en pense que c'est comme avant d'être premier ministre, il est père, et si son fils est heureux, ce qui est le cas, il est ravi. Il aime beaucoup. C'est un père. Moi, je suis très famille, donc on a un vrai père. Non, mais son père l'adore, lui. Et donc voilà, mais si tu penses. Si tu veux convaincre mon père qu'il doit avoir honte de moi, je te laisse l'appeler.
Dis-moi, je ne le connais pas assez bien. Et ton autre frère, qu'est-ce qu'il fait, Victor? Il a fait normal Sciences Po, Sorbonne, Assas, Columbia, il prépare l'ENA. Voilà, bien, lui, il est dans la liste. Voilà un mec bien. Mais il n'admire qu'un homme, son frère. Il ne faudrait pas que tu aies l'impression que je t'agresse, hein, mais... Ah non, je t'en prie. Moustapha, tu ne m'agresses pas. Non, mais ton parcours fait que tu t'exposes à ce genre de questions. Je trouve très courageux d'aller dans ce sens-là, alors que ça doit être lourd à porter quand même une famille comme ça. Je pense qu'on peut quand même sensément, pour le bout de ses rêves. Un type de 25 ans, lui poser la question du sens qu'il donne à sa vie. Quand même. Voilà, c'est tout. On peut être cynique à 40, mais à 25, pour moi, on est idéaliste. J'ai aucun cynisme. Ouais. Non, mais... Christophe, à 25 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Quand même pas donné la bouffe, il y a beaucoup de trucs. Mais moi, j'étais reporter. Je voulais faire des sujets sur l'humanitaire, sur les pauvres, sur les choses qui me paraissaient plus vraies, plus sincères que ça. Quoi. Et puis, même aujourd'hui, à 40 berges, je ne ferais jamais ça. Quoi. Plutôt crever que raconter la vie des stars. C'est, voilà, tu ne veux pas dire plutôt crever? Si. Non, parce que crever, c'est pas bien. Mais faire autre chose, non. La variation d'une seule manière. Puis, tu veux, c'est le côté gâchis aussi, quoi. Nom de Dieu, quand même, t'as eu une chance dans la vie qui est supérieure aux autres, putain, faisant autre chose que valoriser. C'est marrant. Mais attends, la télé, c'est du divertissement. Ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait qu'il y a un nivellement des activités. C'est-à-dire qu'il y a le bas, il y a le panier, qui est le people, et il y a le haut, qui est le culturel. Mais si tu permets à des gens de rêver en faisant du people, si tu permets à ces gens dont tu parles, si tu permets. Mais tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui. Là, je suis d'accord avec Christophe. C'est-à-dire qu'à un moment, entre s'occuper de la vie de Loana et de Platon, comme le fait notre amie Rachel. Et pourtant, je ne suis pas d'une famille. Mais comment tu as connu Platon, alors? Mais non, mais c'est avec... Non, mais... Dans un karaoké. C'est avec... Bah, elle est magnifique. Bah, voilà. Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Ouais. J'avais dit à Geneviève qu'il avait des... J'avais des a priori, voilà. Bah, oui, et maintenant que je la vois, je des a priori. Bon, voilà, il a dit qu'elle était bon. Sur les photos, je n'avais pas trouvé bien. Moi, je trouve que pour une fois, il y a une fille qui a une physique un petit peu particulière et ravissant et d'origine italienne. Et ça, c'est bien. Elle est très jolie. Non, ce qui s'est passé... Parce qu'elle n'a pas le nez à la retrousse, le machin banal. Elle a un vrai physique. En photo, je n'ai pas trouvé bien. Et j'ai dit à Geneviève, ta nouvelle miss, elle connaît Platon, mais elle est moche de gueule, j'ai dit. Et quand je la vois maintenant... Il a un goût de chiotte. Maintenant, je dis non seulement elle est bien, puis c'est mon genre. C'est mon genre. J'attaque un peu bien en tête, mais parce que de toute façon, il faut aller à l'essentiel, si on tourne autour du pot. Mais voilà, ça, pour moi, ça restait une interrogation. Et du jour où j'ai vu que tu faisais cette émission, j'ai dit, je connais pas ce gars-là. Je t'avais vu une ou deux fois parler de ses crèches. T'as été un petit peu invité à la télé pour parler de tes crèches d'entreprise. Je m'étais dit, tiens, là, il y a une filiation. Voilà, il s'est lancé dans quelque chose qui est à la fois social à l'époque où ton père était de centre-gauche. Il y avait une logique. Tiens, voilà, le fils de Fabius, il a créé Mais pourquoi on doit toujours ressembler à ses parents? Mais moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont... Tes enfants à toi? Non, ils font de la radio? Non. Non, mais attends, lâche-le, c'est pas parce qu'il a un père qui est ministre que parce qu'il a envie de faire dans la vie. C'est une question de sens. Pourquoi? Ma mère, elle n'est pas comédienne. Mais on va en crever de ne pas donner de sens à nos vies. Mais enfin, il aura donné le sens qu'il voit à la sienne. Mais il voudrait donner son sens à ma vie. T'es sur quelle scène alors? Je suis au théâtre du Temple. Et alors? C'est une salle qui porte bonheur parce que tous les spectacles qui passent là-bas cartonnent quoi. Donc moi je suis ravi. J'ai commencé mi-janvier. Ça se passe bien? Ah ouais, je suis ravi parce que honnêtement j'avais un petit peu peur quoi. Parce que je me dis toujours, quand les gens te voient trop à la télé, est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller te voir sur scène? Et puis là, visiblement, bien sûr. D'abord, tes chroniques sont très bien. Ensuite, il est très fin. Et l'autre jour, je l'ai vu dans une émission de télé sur Paris Première qui s'appelle Ça balance à Paris. Je jure. Et ils lui ont dit qu'il ressemblait à Bigard. Et s'il y a vraiment un mec. Ah non! Mais attends, j'ai plus faim. Si un mec. Je trouve ça un mec. Ah non! Il est plus faim. Ah non! Mais déjà, il faut s'accrocher pour ressembler à Bigard. Moi, je te comparerais plutôt. Moi, j'adore, par exemple, notre grand Laurent Gérard, que je trouve ça très drôle. Et méchant, mais très drôle. Et je trouve que t'es plutôt dans une veine comme ça que dans une veine de Bigard. C'est pas sympa de lui dire ça. Je suis désolé, Véro, tu peux lui dire qu'il ressemble à Laurent Gérard. Enfin. Il m'a dit qu'il ressemblait. Il va dans sa balance, on dit qu'il ressemble à Bigard. Il vient dîner ici. Bon, je vais y aller, moi. Non. Moi, je suis arrivé à la télé par accident. C'est Laurent Ruquier qui un jour m'a dit « Est-ce que tu veux venir ?» et tout. Je suis venu. Ça t'empêchera pas de faire du théâtre. C'était pas du tout... Dis la vérité. C'est vraiment rumeur non plus. Non mais tu sais que c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont demandé si j'étais gay. Non. Ah j'étais sûr. T'es gay, forcément gay. Non mais il y a plein de gens qui m'ont demandé et tout et c'est pas un problème du tout, j'ai pas de problème avec ça. Mais le fait est que je le suis pas. Mais moi même des gens dans l'équipe, je me rappelle la première fois que j'ai croisé Perry Cochin, était persuadé, j'étais avec ma compagne, était persuadé que c'était de l'intérim. Moi ça m'a pas effleuré.
Justement, je fais un sketch dans le spectacle sur l'homophobie et justement les gens qui peuvent être dérangés par ce sketch-là. Je pars du principe inverse, c'est-à-dire que c'est un garçon qui va avouer à ses parents son hétérophobie, son hétérosexualité. Et ses parents vivent ça comme un vrai problème. C'est drôle. Comme un vrai problème. Et je démontre par l'absurde. Pourquoi ses parents sont pédés ? La débilité de l'homophobie. Et je suis content parce que, honnêtement, c'est pas le sketch qui fait le plus rire dans le spectacle, mais il a un sens. Et c'est un sketch important du spectacle. Et surtout, je me dis que quand les gens sont un peu dérangés, c'est qu'il y a encore du chemin bordel. Oui, parce que nous, on est dans un milieu privilégié, on est habitué, on en connaît plein, tout ça, mais il y a des histoires encore en 2007. Moi, je suis père de famille, j'ai un enfant, puis je me suis toujours dit, même quand il était bébé, je me suis dit... Est-ce qu'il est amoureux d'un mec? Je m'en fous qu'il soit hétéro ou homo, je lui souhaite d'être amoureux. Ben voilà. Ah non, moi, c'est je m'en tout. Fous pas. C'est vrai? Ah ouais. Comment ça? Il y a des hétéros malheureux, il y a des homos heureux. Moi, je trouve ça quand même, malgré tout, pour une mère, hein, c'est facile de dire je m'en fous. Moi, je serais pas contre. Oui, mais je veux dire, je pourrais rien faire et j'en détesterais pas mon fils pour autant. Et quel âge il a, Sam? Quel âge il a? Il a 10 ans. Méfie-toi, hein, parce que. Et je le comprendrais. Il traîne au Matisse. Et je serais capable de l'aimer et de me faire une raison. Et oui, mais un choc je quand pense même. Pas qu'en tant que mère, j'en serais indifférente à ça, parce qu'on a tous envie d'avoir des petits-enfants et que son fils ait une vie, entre guillemets, normale. Qui est-ce qui raconte qu'il était super content d'apprendre que son enfant était hétéro? C'est Christophe Girard. C'est Christophe Girard. Christophe Girard, tu as raison. Non, mais t'as l'espoir d'avoir des petits-enfants, t'as l'espoir d'avoir... C'est un phénomène de société très puissant. Attends, qu'est-ce qui est pire? Et si ton môme va bosser avec Castaldi? Je dirais, dans la nature, les animaux, ils sont très souvent homo. Bien entendu. Parce que moi, mon chien, par exemple, il voit un trou, c'est un trou. Les ours. Que ce soit masculin ou féminin. Mais n'empêche qu'il y a l'appel de nature qui fait qu'à un moment, même les mecs, ils sont bi, quoi. Oui. Et ils vont vers la femelle pour procréer. Ouais. C'est une sorte d'appel normal de la nature. Ah, oui. Et quelque part, dans les gènes, peut-être, et dans la nature, enfin, en tous les cas, dans la mienne, il y a une sorte de normalité à procréer ou à aller vers quelque chose de normal. Normal. Et donc, à la limite, tu te dis, ah oui, qu'il aime les mecs, mon fils, je m'en fous totalement, effectivement. Mais j'aimerais bien aussi qu'il aime les femmes. Ouais. Bah, avec Sam, ça va être compliqué quand même. Hein, pourquoi? Ton fils, bah, parce que déjà, toutes ces robes qu'il met pour aller à l'école. Il m'en fera, moi, des enfants, ne vous inquiétez pas. Une copine à moi qui est très pratiquante, qui est juive très pratiquante et qui a une cinquantaine d'années. Et son fils lui a avoué récemment qu'il était gay. Ouais. Et donc, quand tu es une mère juive très pratiquante, tu aspires tout de suite à avoir des enfants. Ouais. Et il lui dit, écoute, mon fils, c'est pas grave, mais trouve-toi un juif. Puisqu'on parle de fils, excuse-moi, toi, la tuile que tu as eue avec Xavier. Hein. Bah, la tuile, oui. Quelle tuile? Bah, il l'a dépouillée. Non, mais je... Bah, si. Oui, mais enfin, je... Mais regarde, alors elle est maman, puis elle s'en tape. Faut pas dire ça, bon... Mais elle aime, elle s'en vient, bah, ça sera pas bah oui, mais elle a raison, quelque part. Moi, je suis sûr que quand je serai morte, il sera pas à la rue. Il sera riche, hein, ça, c'est sûr. Mais là, c'est très philosophe, quand même. Il y a quand même pas eu un peu de rancœur à un moment... Non, je suis pas comme ça. De toute façon, Geneviève, bon, tu te doutes bien, on s'en occupe tous un peu, on l'invite à dîner. Ouais. Elle a mangé pour une semaine, hein. Elle a son réseau de prostitution qui leur apporte du pognon. Et tu te souviens quand ton père était Premier ministre, Thomas? J'avais 2 ans, tu sais. Attends, je ne me souviens pas. Bah, pas véritablement. Il ne m'a pas consulté à l'époque pour les décisions qu'il prenait. Mais l'enfance d'un homme comme mon père n'est pas aussi rose qu'on peut l'imaginer. Et ça me fait rire quand on dit tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Certes, évidemment, je viens d'un milieu très favorisé. Mais je peux te dire qu'à certains moments de mon existence, j'ai vécu des moments certes beaucoup plus douloureux que l'existence moyenne d'une personne moyenne. Ça, c'est évident. C'est normal, ça, c'est... Genre quand? Genre, tu sais très bien. Ah oui. Bah, pendant l'histoire du sang. Ah oui, il a quand même son père. Oui, parce que forcément, ça revient dans la tronche des gosses. Son père se fait traiter d'assassin. Pendant 10 ans, on te dit quand même que ton père a tué des gens. Oui. Tu reçois des lettres, on te voit ton visage avec ta tête à côté de ton corps, comme ça. Oui. Donc là, c'est pas très gay, où t'es obligé d'avoir la sécurité, où moi j'ai été. Jusqu'à mes 16 ans avec 5 personnes qui me suivaient, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est pas drôle. Écoute, alors, vraiment, tu comprends si maintenant, bon, il a trouvé cette histoire de... Voilà, il a trouvé un petit job et toi, tu le critiques. Merci. Vous vous rendez compte avec qui il a passé toute son adolescence, les sommités intellectuelles, politiques, les écrivains, les poètes... Et alors avec lui, tout ça pour finir par présenter l'angle de vie. Et alors son deck.
Moi, pour l'avoir écouté, j'ai été fan de Castaldi sur Europe 1. C'est un intervieweur formidable. Ouais. Simplement, à un moment donné, est arrivé... Là où t'es très fort, Christophe, c'est que tu te sers de l'époque où t'as aimé quelqu'un pour le détruire à son moment actuel. Je vais te dire un truc très simple. C'est un truc très connu chez les politiques, ça. La vie, c'est une question de choix. Tu veux que je te dise un truc, et il le sait pertinemment, Castaldi. Love Story, ça m'a été proposé, moi d'abord, avant que ça lui soit proposé à lui. Par Alexandre Rochaud. Moi, je l'ai refusé. Et tu sais qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais même ce qu'il m'a dit à ton sujet. On l'a refusé, il l'a bien fait. Ouais. Mais oui, mais... Moi, j'aurais refusé. Tu vois, c'est, la vie, c'est des choix, quoi. Mais tu regrettes de ne pas avoir présenté Love Story, maintenant? Jamais. Non. Et tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Alexia Larochaubert, dans son bureau, c'était un soir... C'était dans le bureau de, comment il s'appelle, le patron d'Indemol, j'ai oublié son nom. Courbet. Stéphane Courbet. Il n'était pas là, c'était elle. C'est mon patron. Et donc, elle me dit, donnez-moi une bonne raison de refuser Love Story. Oui, je lui ai dit, je suis catho. Ah ouais. Très bien. Et donc, je ne suis pas capable de faire croire que je veux le bien des gens qui sont dans le loft, alors que c'est juste pas le sujet. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Vas-y, toi, au lieu de faire la la. Je ne pas les paroles. Vas-y, c'est marqué. Ils arrivent, ah, le ventre alourdi, détruit les bateaux. Oui. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, repleines de ciel bleu, de mirages. Traînant à part sa poivrée, de céleste nuit, d'éternelité où l'on est presque nu. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais débarbouiller ce cri environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain m'avancer par mes veines de dépôt dans les merveilleux étés sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un coup de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le bord. Attention. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Écoute, maman est près de toi. Le fil est pas assez long, le fil est pas assez long. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Allez, viens. Ah, monsieur, c'est le monsieur de la dernière fois. Bon, moi, je vais le chercher. Je crois qu'il est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est un profond. Mais il attend. Dis-lui. Tu as fait quelque chose à ma maman? Elle me met toujours des grands signes. Elle dit toujours, réfléchis pas là. Prochaine vacances, à l'hôtel de l'hôpital. Elle me met sur la plage. Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, c'est nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel de l'hôpital? Tu y as les étoiles, Anne Maxime? Oublie-lui, tout m'appelle. Johnny, on date. Tu nous aimes? Mais t'as jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui dis je t'aime, les mots se meurent dans les couleurs du téléphone. Véro, dégage-toi un peu, je vois rien.
I wanna be a part of this New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Christophe, c'est un pro. Right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Geneviève, chantez. And find I'm king of the hill, top of the heat. King, top of the heat. This little town blues. Ouais, c'était marrant. Hop. On a bien mangé surtout. Mmh. On a bien mangé. Ah oui, c'était excellent. Très bon. Excellent, vraiment. Poisson, mmh, là, épinards, c'était bien. Oui, c'était bien. Dessert, tout, c'était parfait. Mmh. Parce que la première fois, quand j'ai dit la dernière fois, ça c'était me pas terrible. Plus. Des espèces de terrines de poisson, des machins ça comme ça, genre. Plus. Moi ça. Aussi, j'aime pas trop. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.